Les amis, il y a 8 mois de ça, j'ai refait entièrement mon setup avec Emile qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, c'est le tour du setup de ma sœur. On va le refaire entièrement. Mais cette fois-ci, les amis, la vidéo est sponsorisée par Trust Gaming qui m'a apporté beaucoup de matos pour aider, voilà, à refaire toute la chambre de ma sœur, etc. En plus de ça, Trust Gaming vous offre un petit concours qui se passera sur mon Instagram. Voilà, il est écrit juste là, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Bref, c'est parti, téléportation dans la chambre de ma sœur, let's go! Du coup, on est ici dans la chambre de ma sœur. On voit tout de suite que ça change d'ambiance, ça résonne. On a beaucoup de colis, voilà, envoyés par Trust Gaming. On les remercie encore une fois, mais on va pas avoir le temps de tout faire comme dans mon setup. On va pas refaire, par exemple, tout ce qui est peinture, tapisserie, ça, on n'a pas le temps. On va juste s'occuper vraiment de la partie meubles, PC, etc. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. Let's go. Moi je vais descendre ça là, le meuble, lui va s'occuper d'enlever les câbles du bureau et puis voilà. On a un petit peu débarrassé tout le bureau et tout, on a mis le lit à la place. Et parce qu'en fait le bureau on va le mettre de ce côté là. Le seul truc qui va nous faire un petit peu chier c'est toutes les petites marques là qu'il y a dans la tapisserie et tout. Mais bon, on va se démerder hein. Pendant qu'Emile là il est en train de monter le bureau, moi je vais tout simplement monter la chaise que Trust nous a envoyée. Donc voilà, une belle petite chaise gaming. Toutes les références des produits que Trust m'a envoyé sont dans la description. Merci. Pratiquement terminé la chaise, reste plus qu'à la mettre sur le petit pied là qu'il y a là. Emile a terminé pratiquement le bureau. Franchement je trouve que c'est bien parce que c'est complet, tu vois, dans le sens où il y a plein de trucs, il y a un truc carrément pour mettre les câbles, on va pouvoir les faire passer ici. Et c'est vraiment bien, je trouve que c'est bien quand même. Chaise, donc on a le début du setup. On a beaucoup de trucs. Petros nous a envoyé une souris, clavier, tapis de souris. Bref, je vous montre tout ça quand on le déballera après. Bon, léger petit problème, le ventirad était déjà cassé. Du coup, on va aller dans un magasin pour tenter de trouver un ventirad ou alors carrément un nouveau PC. Bon, le magasin est fermé. Du coup, on attend. Sous la pluie. Du coup on marche au boulanger parce que c'est fermé et il pleut. On a vraiment la poisse aujourd'hui, ça me casse les couilles, c'est super long. On garde le monde. Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. Bon du coup on a pris tout ça là. On rentre à la maison et on installe. Bon, après notre petit périple sous la pluie pour essayer de récupérer une nouvelle carte mère avec un nouveau ventirad et bref, plein de trucs, on a enfin trouvé ça. Voilà, on a fait une petite affaire qui va un petit peu upgrade le PC de ma sœur. Mais ce n'est pas tout. Les amis, je vous avais parlé d'un petit jeu concours organisé par Trust Gaming. Et ben c'est là, voilà, je vous en parle maintenant. Trust Gaming vous fait gagner une souris, un clavier et un tapis de souris. Et ben c'est juste sur mon Instagram, tu vois. Il est écrit là, ici, comme ça, tu vas t'abonner, puis tu vas sur la publication, et puis voilà, de toute façon, tu connais les bails. En tout cas, Emile est parti, donc je vais pas continuer tout ça tout seul. On va reprendre la vidéo demain. Donc demain, on a beaucoup de taf, on va devoir monter le PC, faire le setup, quoi. On se retrouve demain, des gros bisous. Dans 2 secondes pour vous, mais dans 4 heures pour moi. Un peu plus que 4 heures, quand même, 12 heures, et même plus que 12 heures. Les amis, comme prévu ce matin, montage du PC et montage du reste du setup hier, voilà, on a réglé les petites galères et tout. Emile a déjà commencé à monter le PC, moi c'est pas mon domaine, j'ai mis des vis sur l'ancien, c'était déjà bien.
Bon, du coup, il est 13h, on va pas tarder à aller manger. J'ai fait un truc, c'est ouf. J'ai mis tous les petits serre-câbles comme ça autour de la rallonge pour faire un truc un petit peu plus propre et plus beau, voilà, au niveau des plinthes. Emile, il est toujours en train de taffer sur l'ordi. Est-ce que t'aimes bien, Emile, ce que tu fais? Bien sûr. Oui. T'as pété? Non, j'ai pas pété. Ah, c'est moi. Ah, c'est toi? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. J'avais oublié que c'était moi. Mais je le sens d'ici, en fait. Oui, oui, oui. Je reconnais ton odeur, maintenant. Carrément. J'aime pas le caramel qui est au fond des yaourts. Tu pouvais fermer ta gueule, c'est marrant. Enfin, après des heures de travail, voilà, c'est terminé. J'ai bien bossé là-dessus. Du coup, j'ai fait tout le cap management ici. Donc, vous pouvez voir comme ça. Non, moi j'ai collé un câble là au sol. Bon, plus sérieusement, le PC est enfin terminé. Voilà, c'est ce qui a pris le plus de temps. Il est quand même beau. Donc là, on va installer souris, clavier, tapis de souris. Bref, on va tout installer. On va installer la déco aussi. On va mettre un petit néon, des trucs sympas et tout. Et puis voilà. Du coup, on a enfin un petit peu débarrassé tout le bureau, on l'a préparé tout simplement à recevoir les périphériques que Trust m'a envoyé. Donc là voilà, on a un petit clavier, une petite souris, un tapis de souris qui va pas vraiment servir parce que bah c'est déjà un tapis de souris en fait. Du coup, on a un petit clavier là en armature métallique, c'est ce qui est écrit sur la boîte. Oh, j'aime bien le design, il y a plus qu'à l'allumer pour voir un petit peu le RGB, comment il va être. Déballage de la souris ultra légère et aérée comme ça. Et enfin, on va déballer le tapis de souris. Donc je vous rappelle que tout ça, vous pouvez le gagner sur mon Instagram qui s'affiche ici, voilà. Et le petit tapis de souris juste là, il est grand ou pas? Ça va. Il est large, je crois, en vrai. En vrai, il est large. Mais ça fait grave le taf, tu poses ça comme ça, là. Là, tu peux mettre 6 bras. Donc voilà, on va installer tout ça maintenant. I wake up, flex, I'm down that check. No drip, this. Ouais. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. I wake up, flex, thumb down that check. No drip, this. Whack. Tell them run it up. No sleep, no rest. Might crash, might wreck. But first I stretch. Tell them run it up. Mais t'inquiète, la femme de ménage va passer. C'est qui la femme de ménage? C'est moi. C'est toi. Les amis, il pleut, il est 20h. Emile est en train de bosser toujours sur le cab management. Ma soeur, elle rebouche ses trous. Mais le peuple a faim, donc je vais aller faire à manger. C'est ma mission. Petit tuto nourriture, rapide et express. Là, je termine de manger mon petit yaourt au chocolat. On va installer la bandelette derrière le bureau. Et ensuite, on va allumer le PC. Et puis, on aura fini. Je pourrai enfin vous montrer le setup avec les lumières et les LED et tout. Mais gros. Comment ça s'élastifie? Mais c'est... on s'en fout. Voilà, comme ça. Ça s'élastifie, là. Faut faire gaffe à ça, parce que si on tire dessus, ça tombe. Hein. Bah, faut pas tirer, alors. Mais non. Oh, le réflexe. Bon, les amis, il est 1h du matin et le moment que vous attendez le plus et que moi aussi j'attends le plus est enfin arrivé. Derrière cette porte se cache le setup terminé de ma sœur, voilà. Je suis crevé, Emile est déjà reparti chez lui, voilà. Un maximum de petits pouces bleus, voilà, pour nous encourager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite parce que peut-être qu'il y aura un épisode sur, je sais pas, je vais refaire le setup d'un abonné comme ça, je sais pas. Voilà, je dis des choses comme ça. Trust, si vous me faites confiance, il y a moyen qu'on s'organise quelque chose comme ça. Trêve de blabla, c'est parti. On y va, ensemble. Il y a le chat qui gueule. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet.
that's a deal, right? That's a deal, right? On arrive directement face au setup. Donc on va faire une petite review ensemble, mais bien sûr, vous aurez toutes les références dans la description de tout le setup. Donc on commence par cette magnifique chaise gaming que Trust m'a envoyée. Elle est super confortable, elle est pas bruyante du tout, et elle est toute smooth, genre elle bouge tout bien, etc. On peut rouler, on peut tourner, bref, tout est bien. On peut régler le dossier, les petits bras, tu peux régler la hauteur du siège. Elle est incroyable, cette chaise. Ensuite, on a le petit bureau qui est super bien parce qu'il a un tapis de souris intégré, genre tout ton bureau c'est un tapis de souris, il a un petit repose-verre pour ta petite boisson, voilà. Il y a un repose-casque à ta gauche, donc là tu peux mettre ton petit casque, le mettre sur tes oreilles, c'est aussi nickel. Là ici on a deux trous qui permettent de faire passer les câbles. On a bien sûr le clavier à membrane qui m'a été envoyé aussi par Trust, donc qui est métallique, très très compact. Le RGB est très très beau, pareil pour la souris, elle est super légère et super belle, vraiment on n'a pas l'impression de la sentir en main. Et là on a des petites enceintes Trust aussi, donc cette fois par contre c'est moi qui les ai achetés parce que voilà, je fais confiance à la marque et puis c'est quelque chose de très bon au niveau rapport qualité-prix. Ensuite, grâce au budget de la vidéo, j'ai pu upgrade un petit peu le PC de ma sœur. Après, sinon, tout le reste, c'est de la déco qu'on a pu faire ensemble. Un espèce de petit côté tableau, c'est un petit peu girly, mais c'est ce qu'on aime. Là, on a un côté un peu plus détente, relaxation et tout, tu vois, des petits nénuphars, un petit tableau. Et enfin, la petite partie qui fait un petit peu plus chambre, donc le lit, la petite table de chevet, et puis les petits tableaux pour s'endormir en faisant de beaux rêves, et oui. Et bien sûr, la bande LED, voilà, qu'on a mis tout le long. Du coup, je remercie énormément Trust, voilà, parce que c'est quand même grâce à eux que j'ai pu refaire le setup de ma sœur. Et surtout, Emile, qui a passé beaucoup de temps à faire le PC, à faire le setup, à faire énormément de choses avec moi. Donc merci à toi, mec. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, une excellente soirée. N'oubliez pas qu'il y a le concours Trust Gaming sur mon Instagram qui est juste ici. Voilà. Oui, je sais, c'est dérangeant, mais là, moi, je suis sûr que tu le vois. Voilà, il est là. Des gros bisous. C'était Scandover. Terminé. Et je vais dormir. Ah. C'était le gros pour dire couper. Hein. Voilà, parce qu'ici, on est chez Scandover Production, pas au cinéma.